Liberté, nous recevons aujourd'hui Marc Mapingu Mitumbi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mingwa. Alors, certains disent que vous êtes le porte-parole à vie du général Mokoko. Est-ce que vous confirmez? Je confirme déjà que rien n'est éternel, rien n'est à vie, comme vous le dites, et que nous sommes dans une dynamique de la vie qui est celle-là, et la vie, aujourd'hui, les choses peuvent changer. J'ai beaucoup lu l'Ecclésiaste et j'ai compris que rien n'était éternel. Et porte-parole à vie, non, je suis le porte-parole du général Mokoko, et je ne suis pas le seul porte-parole du général Mokoko. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais qui ont vu le procès, qui ont soutenu Mokoko, savent bien que ce monsieur, il faut être d'une manière ou d'une autre son porte-parole, parce qu'il a eu à défendre des idées, des valeurs, qui ont fait qu'on ait une alliance avec lui, et que cette alliance demeure, parce que c'est un monsieur qui incarne des valeurs, des idées de la démocratie et que nous partageons tous. Alors, la polémique sur les titres porte-parole ou pas porte-parole, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se dire, est-ce que les idées de Mokoko sont toujours valables aujourd'hui, sont valables demain? Je dirais oui. Ces idées que nous avons partagées, que beaucoup de Congolais ont partagées. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Congolais ont fait que ce monsieur-là soit plébiscité et qu'il soit élu. Qu'on le veuille ou non, il a été élu et malheureusement, sa victoire a été volée. Alors, si je vous pose la question, c'est parce que aujourd'hui, beaucoup de Congolais disent que Marc Mapingu Mitumbi aurait pu aussi être un leader, mais vous avez soutenu le général Mokoko. Est-ce que c'était une alliance, on va dire, ponctuelle? Est-ce que vous partagez un projet de société avec le général Mokoko? Et si oui, lequel? Déjà, le problème, c'est que oui, j'aurais pu. En effet, j'aurais pu, mais comme bien d'autres, comme vous, comme bien d'autres Congolais, auraient pu. Mais vous savez, l'histoire d'un pays est toujours liée à des hommes, à des ambitions, et à un moment donné, à des circonstances qui font que quelqu'un émerge et que ceux qui sont d'accord avec lui ou qui, autour de lui, fondent une certaine espérance, puissent le soutenir. Alors, moi, je crois qu'en effet, Mokoko a été de ceux-là qui ont fait que il y a cet enthousiasme autour de lui, autour de ses idées, autour des valeurs et cette alliance que nous avons effectivement plus ou moins. C'était pas une alliance seulement avec Marc Mapingu, c'était une alliance avec le peuple congolais. Le général Mokoko m'est apparu et d'ailleurs c'est ça d'ailleurs comme un homme qui avait transcendé les clivages ethniques et qui était le monsieur qui déjà à la conférence nationale avait montré que il pouvait, au-delà de sa posture personnelle ou des intérêts qu'il avait, c'est un monsieur qui a soutenu une dynamique qui nous a mené vers une transition et vers des élections libres et transparentes. Donc, de ce point de vue, bravo. Maintenant, on peut épiloguer sur la question de oui ou non, est-ce que monsieur Mokoko est le véritable leader, est-ce que dans le contexte actuel, c'est l'homme qu'il faut, et tout le reste. Je pense que tant que ces idées-là, il les incarne, et tant qu'il est resté, ça c'est important, il est resté ferme sur ses convictions, il n'a pas trahi ses idées, il est resté ferme dans ses convictions. Je crois que ceux qui l'aiment, ceux qui le soutiennent, ceux qui ont vu cette mauvaise image d'un homme emprisonné par ceux qui ne méritaient pas plus que lui, bon, ne peuvent qu'avoir, au-delà de la compassion, de l'admiration. Alors, je veux vous poser la question très clairement. Certains disent que vous avez soutenu le général Mokoko pour être, s'il gagne l'élection, son premier ministre. Est-ce que c'est vrai? Si oui, est-ce que vous avez un programme, vous, pour le Congo? Je vais vous dire, Monsieur Mingwa, je n'ai jamais soutenu des gens parce que il fallait partager un pouvoir, des postes et tout le reste. Je crois que au départ, ce qui m'attire chez Mokoko
et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de la Conférence nationale, c'est cette admiration et ces échanges avec un homme cultivé, un homme intelligent et un homme qui avait une certaine idée sur le Congo. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Une fois, j'ai discuté avec le président Lissouba et il lui a dit à Moukoko, puisque Moukoko me l'a repris quelques années plus tard, Lissouba lui dira, mon général, nous allons faire une alliance où nous allons diriger le pays tous les deux ensemble. Donc déjà, sous Lissouba, Moukoko était déjà ce jeune officier que des gens cultivés, des gens intelligents trouvaient capables de transcender des clivages ethniques, capables aussi de réfléchir sur des véritables dossiers de développement pour notre pays. Alors, moi, le titre de Premier ministre ou pas, sincèrement, ce n'est pas ce qui m'intéresserait. Ou ce qui m'intéressait, ou je ne me suis pas lancé dans une bataille en prenant des risques juste parce qu'on veut être Premier ministre. Maintenant, si vous me demandez, vous avez raison, si demain j'ai d'autres ambitions pour être Premier ministre ou Président de la République, je vous dirai tout simplement le rendez-vous du temps, de l'histoire. Il faut laisser le temps au temps, comme disait Mitterrand. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase où nous voulons libérer le pays. Et je crois que le plus important, c'est cela. Maintenant, si demain, je suis le mieux placé, mais honnêtement, pour être là où la République ou là où les Congolais me mettront, et bien, pourquoi pas? Alors, si je comprends bien, c'est que vous êtes demain disposé, si les conditions le permettent, d'être un leader ou d'avoir une ambition pour le pays. Mais écoutez, j'ai toujours eu des ambitions pour ce pays. Depuis très tôt, j'ai pensé que ce pays avait besoin de changement, ce pays avait besoin des gens outillés, ce pays avait besoin des gens qui ont une certaine générosité, capable de créer un climat de solidarité envers les plus faibles et créer cette dynamique qui porterait le pays vers une certaine prospérité, une certaine expansion. Je l'ai toujours pensé et je crois que plus que jamais, de plus en plus, je pense qu'il y a des choses à faire pour ce pays. Marc Mapingu-Mitumbi sur Congo Liberty, le général Moukoko en prison a pris 20 ans, monsieur Okomi Salissa aussi a pris 20 ans. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le procès de mon grand frère André Okomi Salissa, que je connais personnellement et pour qui j'ai une pensée aujourd'hui, de cette condamnation, en sachant que M. Denis Sassou Nguesso a été son mentor? Certains disent que M. Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Est-ce que la condamnation d'André Okomi Salissa prouve bien que ce qui compte pour M. Denis Sassou Nguesso, c'est son pouvoir et rien d'autre? Je vais déjà commencer par, bien sûr, regretter le sort qui a été réservé à Okomi Salissa comme à Moukoko et à bien d'autres qui croupissent dans la prison, ou ceux qui sont sortis, mais certainement avec des maltraitances qui vont les marquer toute la vie. Nous l'avons dit, je remercie ici tous les démocrates. Je suis en France, donc c'est la diaspora ici, et tous ceux qui ont combattu et qui continuent à combattre pour la liberté, et qui ont pensé en effet qu'on ne pouvait rien attendre de ce procès-là. C'est des procès staliniens. Ce qui m'a marqué et fait plaisir aussi, c'est que Okomi l'a dit haut et fort que ce sont des méthodes qu'il connaît. Okomi fait partie de ce système. Il a animé ce système. Donc il savait très bien, il sait très bien que ce système est un système stalinien et qui a toujours procédé de cette façon-là. Et c'est le même problème. Ce qu'on a fait aux uns, le jour où on leur a fait, vous avez croisé les bras, et le jour où on vous l'a fait, écoutez, il ne fallait pas être surpris. Je crois que la vraie réflexion aujourd'hui, au-delà des blessures, et je m'incline devant le courage de Moukoko, devant le courage de Okomi, et de tous les Congolais qui se battent pour la démocratie, je crois qu'au-delà de cela, il y a un problème de fond, c'est le problème du système.
comment combattre ce système, comment faire que ce système disparaisse pour que demain, au moins dans ce pays, il y ait un état de droit, pour que dans ce pays, demain, il y ait un espace où tout le monde puisse s'exprimer, que ce soit les créatifs, les intellectuels, les artistes, les médecins, enfin tous les corps confondus, les métiers, que ces gens-là puissent s'exprimer dans un climat qui est le climat de l'espérance. Or ça, aujourd'hui, avec ce système, il ne faut pas s'y attendre, c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il ne faut pas baisser la garde. Des gens comme les compatriotes, comme les Okombi, la seule erreur, mais c'est angélique aussi, c'est comme ça, la seule erreur qu'ils ont pu commettre, c'est celle de se dire le mentor avait changé. Non, on ne change pas à ces âges-là. On ne change pas ses âges et le mentor ne pouvait pas changer. Et comme le mentor n'a pas changé, le mentor est resté dans son fonctionnement depuis les années 60. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont animé le communisme tropical hein, depuis les années 63, après la chute de Youlou, tous ces jeunes officiers et bien d'autres. Qui ont animé justement cet état d'esprit, ont continué aujourd'hui à perpétrer cet esprit qui est un esprit de gens bornés, fermés, des gens violents et qui règlent tout par la violence et par la menace. Alors, Marc Mapingo-Mitoumé sur Congo Liberty, cher grand frère, on ne va pas faire semblant, on se connaît très bien. Moi, je vous accuse. Quand je dis que je vous accuse, j'ai appelé mon doyen Jean-Claude Mayima Mbemba, que je salue d'ailleurs, parce que j'ai rediffusé sur le site Congo Liberty des extraits de la commission assassinat. Il s'agit de l'assassinat de Marien Ngouabi. Hein. Vous étiez conférencier, quand je dis que je vous accuse, c'est qu'à la lecture de ce résumé de la commission assassinat sur... l'affaire du 18 mars que vous connaissez, j'ai envie de dire comment vous avez pu laisser M. Denis Sassou Nguesso comme ça prendre la poudre d'escampette et puis comme un phénix on l'a vu renaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter ce monsieur pendant la conférence nationale? C'est-à-dire qu'à la conférence nationale nous avions un problème simple. Nous voulions aller vers une transition démocratique, vers certains changements. Il y avait des choix à faire. Où on allait vers la chasse aux sorcières. On a d'ailleurs appelé ça, à un moment donné, la déchéance politique, où il fallait justement faire un procès dans cette salle de tous ceux qui avaient géré le pays, qui avaient commis des crimes économiques et politiques. Après, dans un certain esprit de tolérance, peut-être un peu angélique, certains d'entre nous, et moi y compris, on s'est dit on ne peut pas construire dans cette forme de vengeance, d'esprit revanchard, qu'il fallait plutôt se laver les mains et puis voir le Congo autrement. Mais ça nous renvoie toujours à cette belle phrase de Brecht, quand il dit... Le ventre d'où avait surgi la bête immonde n'avait pas été détruit. Et ce ventre-là, c'était un système violent, un système qui persiste jusqu'à aujourd'hui dans le crime économique, dans le crime politique, dans le crime de sang. Et oui, ça fait partie de nos erreurs. Ça fait partie un de nos erreurs. Un système que vous avez ressuscité avec voilà. Votre alliance UPADS et PCT, avec M. Sassou Nguesso. Pas seulement UPADS et PCT, puisqu'il y a eu une transition avec Milongo, et cette transition avait quand même un parfum de repentance. On a vu des gens penser qu'effectivement, il ne fallait pas revenir, il y avait le grand mot qui était le pardon. Donc nous y avons été. Bon, aujourd'hui, il faut tirer les leçons, c'est tout. Il faut tirer les leçons. Et maintenant, vous savez, c'est à travers
L'expérience est le bâton des aveugles. Donc aujourd'hui, avec cette expérience, beaucoup d'entre nous comprennent qu'il faut, en effet, aujourd'hui, ne plus tergiverser avec certains mots qui nuisent à notre pays et avec leurs acteurs. Il ne faut pas tergiverser. Il faut être ferme et il faut un état de droit qui doit effectivement refaire le point sur toutes ces questions. Et puis bon, chacun va tirer des leçons et assumer ses responsabilités. Et voilà, moi je crois que moi je suis beaucoup plus vers, je vais beaucoup plus vers cette optique-là. Marc Bapingo Mitumbi sur Congo Liberty. Je vais reprendre le propos de Maître Mudileno Masengo qui disait que les assassinats de mars 1977 ont périclité le Congo dans une période d'horreur qui continue. Malheureusement, il y a eu des massacres de masse après tout ça. On va quand même, puisque c'est le point de départ, selon plusieurs personnes, sur le mois de mars 1977. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet, aux familles des victimes qui attendent encore? On parle de la dépouille de Massamba Déba, du président qui n'a jamais été restitué à la famille. Il y a eu plusieurs assassinats. Est-ce que aujourd'hui, vous, Marc Mapingu Mitumbi, vous tirez des enseignements par rapport à tout ça? Monsieur Mingwa, le mois de mars est un mois triste pour le Congolais. Au-delà du 18 mars de cette année 77, qui a été très difficile et très pénible pour nous tous. Il y a eu aussi le 4 mars cet accident qui s'est produit à Wenze, ou dans les quartiers nord de Brazzaville, qui n'était en fait que le fait de la mauvaise gestion de politique ou pont militaire des armes qui étaient quelque part cachées ou je ne sais pas, protégées. Donc je crois que le mois de mars, en effet, est un mois triste et j'en profite d'ailleurs. J'en profite pour, je l'ai dit, j'ai fait un petit mot sur... sur Brazza News, ils l'ont repris, et Ziana TV aussi d'ailleurs, et vous, je crois que vous l'avez repris, d'autres l'ont repris. Où je montrais justement très modestement comment j'avais assisté un peu à cette période qui a été une période bouleversante pour tous les Congolais, à ces histoires qui ont traumatisé le jeune adolescent que j'étais, ou plutôt le jeune étudiant que j'étais. Et puis, puis après, effectivement, beaucoup aujourd'hui pensent, je pense à raison aussi, je crois à raison, que aujourd'hui les malheurs du Congo viennent aussi spirituellement de ce drame où en une journée on a tué un cardinal, on a tué un ancien chef d'État, on a tué des innocents parce que il fallait trouver des boucs émissaires et puis voilà, ça a été lamentable, ça a été minable, et ça a donné effectivement le visage du système qui survit jusqu'à aujourd'hui. Un système dur, un système violent, un système qui n'a jamais compris les vertus du dialogue, les vertus du débat, mais qui s'est enfoncé dans le banditisme politique. Mais au-delà de ce banditisme, il y a une forme de malédiction qui plane dans le pays. Marc Mapingu Mitumbi sur Congo Liberty, moi je vous ai connu, c'est vrai qu'à l'époque on ne se connaissait pas, mais on avait cette espèce de success story que vous étiez pour nous les jeunes à l'époque, lorsque vous étiez directeur de campagne du professeur Pascal Issouba. On a vu des photos circuler sur Internet où le professeur Pascal Issouba était ou en train de faire sa sieste. Bon, bref, vous êtes quand même son fils spirituel, on ne vous a pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a sorti cette photo de l'espace privé du professeur Pascal Issouba? Est-ce qu'en voyant cette photo, les ennemis du professeur Pascal Issouba ne sont pas ou ne font pas partie de sa propre famille? Monsieur Mingwa, vous savez, nous sommes dans un pays où les vautours et les hyènes
nous entoure, nous côtoie. Et devant certaines images, en effet, quand on a une certaine spiritualité, une certaine hauteur, souvent, la véritable arme, c'est souvent l'impuissance. C'est Chiron qui disait, devant certaines infamies, devant certaines situations, on est impuissant. Et on est impuissant parce que un pays, ce sont des valeurs, c'est une culture, c'est ce que dans les peuples Congo appellent le Kimuntu. Et devant ces choses, là, on est généralement calme. Et devant ces choses aussi, on est généralement pensif. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, écoutez, monsieur Mingwa, je l'ai connu moi-même. Alors que mon neveu n'était pas enterré, j'ai vu des charognards rôder autour de moi, de la famille. Et j'ai compris que nous avons un réel problème de culture. Et il faut que nous nous battions. Parce que la révolution, elle ne va pas se faire seulement parce qu'on va créer un pont ici et là. Elle est dans la mentalité des Congolais. Et aujourd'hui, certains moments, je me dis, on est allé trop loin et les gens vont trop loin. Elle n'était pas si dégradante que ça, cette photo. Moi, j'ai vu un vieux pourtant, monsieur, de son âge, monsieur, malade, mais un vieux. Monsieur Mingwa, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait d'une photo. Et je veux prolonger, puisque vous sollicitez ma fibre spirituelle. Monsieur Mingwa, moi, j'ai lu l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Et j'ai lu aussi quelqu'un qui disait que pour dire d'un homme qu'il fut heureux, il faut attendre qu'il ait tourné la dernière page de sa vie. Nous n'avons pas encore tourné nos pages. Alors, qu'est-ce que la vie va nous réserver? J'ai vu aussi, je suis un homme de culture, je le dis modestement, j'ai vu aussi les vanités du XVIIe siècle, où des peintres comme les David Bailly et autres, on peint justement la vanité. Que sommes-nous, mon Dieu, au-delà de ces petites choses où pour en rigoler, on expose une image. Oui, qu'elle soit bonne ou pas, c'est un secret de Polichinelle. Aujourd'hui, le président Lissouba n'a plus 18 ans. Il a 88 ans. Mais la faute à l'entourage. Il a 88 ans. Mpingo, la faute à l'entourage. Personne n'est allé dans l'intimité familiale de M. Pascal Lissouba pour sortir cette photo. M. Lissouba a toujours eu sa porte ouverte. Et c'est sa famille. Notamment, j'en profite pour saluer sa femme qui s'en occupe très très bien de son mari. Et j'en profite aussi pour dire à tous ceux-là qui pensent que ce sont eux qui doivent hériter de ce message de Lissouba, mais qui en profitent beaucoup plus pour instrumentaliser et gagner leur bout de pain au Congo, que ceux-là comprennent, honte à eux. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de protéger aussi... cette forme de avec pudeur, cette intimité, et montrer surtout que Lissouba n'a plus 18 ans, qu'il a 88 ans, qu'il n'a plus l'énergie que nous avons, nous, et que le problème de Lissouba, je crois, c'est de se dire, bon, j'ai fait mon temps, j'ai bien envie de voir d'autres arriver demain, éviter les erreurs qu'il a dû commettre, et puis faire que le pays avance et que le pays, parce que qu'on le veuille ou non, ce monsieur a aimé ce pays, il a travaillé pour ce pays, ce qui lui est arrivé, c'est un parcours politique dans un pays de géré par des voyous, c'est tout. Moi, je n'ai pas d'autre mot à dire. Et aujourd'hui, moi, je m'incline et je me dis tout simplement que le problème qui arrive à Lissouba peut arriver à tout le monde et honte
à ceux qui exploitent les images, qui exploitent la provocation, l'insolence sur ce genre d'images, parce que, comme je l'ai dit encore, et je reviens sur cette citation, elle en dit long, cette citation, lorsque on dit que, en effet, tant qu'on n'a pas tourné la dernière page de sa vie, attention, il faut pas en rire. On ne sait pas de quoi l'avenir nous sera réservé. Et je m'adresse là à tous les humanistes, je m'adresse aux politiciens qui pensent que à travers une image, on peut marcher sur son adversaire, ou les petites gens, ils en sont nombreux au Congo, qui pensent qu'il y a des sujets qui méritent d'être traités sur la table au cours d'un déjeuner ou un dîner, alors que les enfants, nos enfants ont besoin vraiment des conseils pour avancer et non pour regarder tout ça. Alors je m'incline, Lissouba, c'est un grand homme, et puis voilà, ceux qui le soutiennent doivent continuer à le soutenir. Mais il y a plus grand monde, hein, parce que seul Joseph Wabari, le doyen, qui a fait un texte, moi j'ai pas entendu Tassima Biala de l'UPADS, ni son ancienne directrice de cabinet s'émouvoir. Apparemment tout le monde s'en fiche, comme aujourd'hui le général Mokoko. Joseph Wabari est un homme intelligent, est un homme intègre, et je discute avec Joseph Wabari depuis plus de 20 ans, et sa réaction ne m'a pas surpris. Il fait partie des gens que les Congolais devaient écouter et que les Congolais devaient comprendre. Voilà. Marc Mapimou Bitumbi sur Congo Liberty. Ça fait quand même 20 ans que M. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Pourquoi diable ne prenez pas, vous Marc Mapimou Bitumbi comme d'autres, votre courage, peut-être pour rentrer au pays et demander pardon à Sassou, ou saisir l'occasion de votre cher confrère Martin Berry, qui est à la tête d'une institution qui doit organiser normalement le dialogue. Ça reste quand même votre doyen, Martin Berry. Pourquoi ne prenez-vous pas contact avec lui pour que vous rentrez au Congo peut-être avec, excusez-moi, un tout petit peu de dignité? Monsieur Mingwa, Martin Berry est un... Oh, vous savez le respect que j'ai pour les aînés. Ce n'est pas ici que je viendrai remettre en cause toute l'amitié que je portais longtemps à Berry Martin. Mais Berry Martin, c'est aussi que j'ai toujours été un homme libre. Un homme libre depuis Lissouba et jusqu'à maintenant, quand j'ai eu l'occasion de le voir, j'ai toujours dit ce que je pensais. Il a pris une initiative, il est dans un système, il joue son rôle, c'est tant mieux pour lui. Mais je ne suis pas convaincu de l'efficacité d'une telle démarche, parce que le problème du Congo, il est plus profond. Ce n'est pas un problème de gymnastique ou de manipulation, où il faut, ou de combinaison. Non, je crois que le problème du Congo, il est plus profond. Ce pays a besoin d'une réelle réconciliation. Dans un pays où nous avons eu beaucoup de richesses, beaucoup de moyens, ces richesses ont été malheureusement caporalisées par une famille, par un clan. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes gens qui sont étudiants, qui sont l'avenir du pays, mais qui sont déroutés, qui sont dans une dérive que nous connaissons. Aujourd'hui, nous avons des parents qui meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas un dispensaire moderne, construit. Et nous avons, on peut citer les problèmes que nous avons. On peut citer les problèmes, mais excusez-moi, cher grand frère, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui... Je ne suis pas preneur, si vous voulez. Vous êtes preneur du... Mais tous ces problèmes-là, vous pouvez quand même en parler... Il y a longtemps. Lors d'un dialogue organisé par M. Berry Martin. M. Berry fait la politique depuis plus de 40 ans. Et ce sont eux qui ont amené ce système communiste qui était un ramassis de lumpen prolétariat. Vous pensez qu'ils ont quand même lu le marxisme, donc, le vrai? Oui, bon, enfin, lire le vrai ou le faux, là n'est pas la question. Ils ont été des activistes violents qui ont démontré que la politique, hélas, avait cette facette de violence. Ils ont accusé nos parents
parce que nos parents étaient sous le régime de Youlou, ce sont eux qui ont crié « Youlou a tout volé ». Mais j'aimerais tout simplement que M. Mbéry et certains amis se lèvent un matin et qu'ils disent « Sassou et ses parents ont tout volé ». Mais je pense qu'il sera incapable de le dire. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de tout ça? Non, c'est des non-événements. Nous sommes en train de parler des questions importantes du pays, l'avenir du pays. Je pense qu'il ne faut pas non plus... Sinon, ça fait des diversions. Vous me parlez d'un dialogue géré par... En tout cas, moi, je l'ai écouté. Cela dit, Mbéry Martin, j'ai beaucoup de respect. C'est un bon tribun, c'est tout ce qu'on veut. C'est quelqu'un de très sympathique. Mais bon, le suivre, je ne suis pas obligé de le suivre partout où il ira. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, bon, les gens se disent aussi que vous connaissez quand même beaucoup de gens au pouvoir. Vous avez... Mais je connais le président Sassou. Vous connaissez, au-delà de ça, vous connaissez... Monsieur... Là, je parle de votre famille politique. Vous avez Tsassi Mabiala, qui est chef de l'opposition. Oui, vous avez je connais. Monsieur Clément Mouamba, qui... Je connais tout ce monde, oui, je connais. Oui. Vous auriez pu rentrer quand même au Congo. Mais ce n'est pas la question de rentrer au Congo, ne pas rentrer au Congo. Je n'ai pas attendu que Mwamba soit Premier ministre ou que Tsassi Mabiala soit, entre guillemets, le patron de l'opposition pour rentrer ou ne pas rentrer. Je m'en fous de tout ça. On a quand même l'impression qu'il y a une certaine alliance de M. Sassou Nguesso avec les anciens de l'UPADS. M. Sassou Nguesso dit que... Ce sont ses amis. Chaque homme a un prix. Quel est votre prix? M. Mingwa, ce n'est pas une affaire de prix. Il y a des gens qui pensent que... Il y a des choses qui ne sont pas négociables, M. Mingwa. Je ne fais pas partie de ce système-là. Je n'ai jamais été à l'UGC, je vous l'ai dit. Je n'ai jamais été à la GMNR, je vous l'ai dit. Je n'ai jamais été au PCT, je vous l'ai dit. Vous voyez? Donc, que vous me citiez Mbéry Martin, que vous me citiez Mwamba, qui au dernier moment s'est même dit, je me suis trompé d'aller vers l'UPADES, Monsieur le Président, je reviens vers la maison mère, pour reprendre l'expression de Blum, je reviens vers le PCT, ou qu'il s'agisse de Monsieur Tsassi Mabiala, qui a été à l'époque déjà... Pour ne pas faire de directeur jaloux, on va parler de... Oui, directeur du PCT, ou je ne sais pas quoi. C'est pas mon cas. Nous sommes retrouvés autour de l'Issouba, et c'était un mélange de tout. Et c'est ça qui a fait que l'Issouba... C'était un fourre-tout. Voilà, c'est un fourre-tout. Une armée mexicaine. C'est ça qui a fait que l'Issouba perde le pouvoir, je vais vous le dire aujourd'hui. C'est-à-dire, ces gens autour de l'Issouba lui ont fait comprendre que pour contrer Sassou Nguesso, Monsieur le Président, nous le connaissons mieux et nous devons l'affronter, nous sommes prêts à l'affronter et tout. Ils ont été minables, ils n'ont pas pu affronter Sassou Nguesso. Et puis avec le recul aujourd'hui, on se rend bien compte que ces gens-là avaient quelque chose de commun avec M. Sassou Nguesso. Et cette chose commune, c'était quand même cette culture du Parti Unite, cette culture de violence politique qui a été inaugurée depuis les années 68, après la chute depuis les années 63 et 68 jusqu'en 77 et autres. Ce sont des amis, ce sont des copains qui se sont retrouvés à certains moments pour des raisons tribales ou des positionnements. Bon, il y a eu des malentendus, mais ce sont des gens qui ont la même culture. Je n'ai pas les mêmes valeurs que ces gens-là. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors, je les respecte, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. Cher grand frère, je vois que le débat est passionné. Malheureusement, on arrive au terme de notre émission, mais comme vous savez, les différents sites congolais qui militent pour la restauration de la démocratie au Congo ne sont pas en concurrence malgré ce que les gens pensent. Nous sommes tous en contact et nous nous soutenons les uns les autres. On va essayer aujourd'hui sur Congo Liberty de mettre tout le monde d'accord. On va appeler un grand journaliste congolais sur Congo Liberty. Vous ne vous trompez pas, c'est une surprise. On va appeler Aristide Mobebisi, qui est dans le studio de Congo Liberty, qui nous a fait cette amitié pour terminer l'interview avec Marc Mapingu Mitumi. Oui, déjà, M. Mingwa, vous savez que Mobebisi, ça signifie gaspiller, hein? Je crois que... Mais il peut gaspiller. Vous savez que pour moi, ce qui prime, c'est la liberté d'expression. Et je vais laisser... Notre donc vous me livrez, vous, je vous livre à vous me livrez un gaspilleur.
Monsieur Mapimbo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Artiste. Aristide, mon bébé. Bon, mais je viens pour clôturer l'interview. Juste, qu'est-ce que vous, avec votre expérience politique, de, je peux dire de votre jeune âge, passant par le séminaire, Pascal Issouba et tout, aujourd'hui, quelle est votre vision du Congo? Ma vision est simple. Elle est partagée par beaucoup de Congolais. C'est déjà la vision d'un Congo uni et réconcilié. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande blessure qui est liée un peu à la gestion chaotique du système actuel, où beaucoup pensent que la faute viendrait d'un homme, de son clan ou de son ethnie. Nous avons eu à une époque un monsieur qui s'appelle Mokoko, qui a estimé qu'il fallait effectivement transcender tout ça, tous ces clivages, pour réconcilier les Congolais, les mettre ensemble et bâtir un État de droit et bâtir un État prospère où tous les fils du Congo devaient avoir chacun sa part de responsabilité pour construire notre pays. Malheureusement, vous savez, aller à Yacta Est, Mokoko est en prison et bien d'autres aussi sont en prison, comme vous le savez. Alors ma vision aujourd'hui, c'est déjà de rassembler les Congolais. Je crois qu'il y a une énorme frustration de tous les Congolais, pas seulement les Congolais du Sud, pas seulement les Congolais, même chez les Mbushi, il y a un certain nombre de gens qui sont frustrés. Et tout le problème, c'est qu'on n'a pas eu... Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Sassou quand il était ici en exil. Pour moi, je me disais, on ne peut pas avoir eu ce procès à la Conférence nationale et revenir avec les mêmes erreurs qui sont des erreurs de ça m'a beaucoup choqué, revenir sur des crimes de sang, revenir sur des crimes économiques. Alors que quand on s'est trompé, on pouvait se dire, bon, cette fois, je vais faire mieux, mieux que l'Issouba, mieux que tout le monde. Malheureusement, on est là devant un bilan chaotique où un pays, malheureusement, n'arrive pas à s'en sortir. Donc pour moi, la véritable vision, c'est d'abord celle-là, le Congo prospère, le Congo de demain, rassembler tous les fils de ce pays, qu'ils travaillent, chacun avec, selon ses mérites, et peut-être que déjà ce rassemblement est important, il faut rassembler. Monsieur Mapimbo, nous qui sommes de la nouvelle génération, nous traitons cette opposition actuelle un prolongement du PCT, parce que tous ceux qui sont actuellement en opposition, ils viennent tous du système PCT, comme vous l'avez évoqué. Est-ce qu'avec ces gens-là, nous pouvons les faire confiance? Parce que la preuve, on a vu avec le grand meeting du boulevard des armées, il y avait les uns qui étaient pour mettre le peuple dans la rue et les autres étaient contre. Est-ce qu'avec cette opposition, la majorité des membres viennent tous du PCT ou des anciens ministres déchus par le système PCT? Ils sont venus tous à l'opposition. Est-ce qu'en venant à l'opposition, ils avaient l'esprit de repentance ou ils sont venus à l'opposition parce qu'ils n'ont plus de portefeuille ministériel? Non, déjà, il faut dire que je reconnais avec vous que depuis longtemps, le PCT dirige le pays depuis plus de 40 ans. Donc, naturellement, ça laisse des traces, ça laisse des réflexes, ça laisse des comportements qui, malheureusement, sont des comportements odieux, qui sont des comportements néfastes. Le PCT est une famille politique, avec une idéologie, avec des hommes qui dirigent cette idéologie. Mais il y a aussi, à l'intérieur du PCT, des gens qui, il faut reconnaître, qui à un moment donné se sont dit, on ne peut plus continuer, je vais citer Bouaou, je peux citer aussi ceux qui travaillent, qui sont au PCT, mais qui dans l'ombre ou dans le silence, comme vous subissent, comme moi subissent, mais qui pensent que il y a des choses à faire pour demain, cette réconciliation elle est possible. Donc il ne faut pas écarter les gens, il faut quand même à l'intérieur du PCT et qu'il y ait des gens qui sont peut-être partis au PCT parce qu'ils avaient besoin de faire carrière, c'est le parti qui dirige, et ils avaient peut-être besoin d'argent et tout le reste. Donc je crois que il faut plutôt être optimiste et se dire que la situation actuelle appelle tout le monde au rassemblement pour que les choses bougent et pour que les choses changent. C'était le mot de la fin.
À rester de mon bébé, c'est sur Congo Liberty. Tout le monde est d'accord. Merci Marc Mopingou. Merci Aristide, et puis merci aussi à Mingwa qui me fait toujours l'honneur de m'inviter cette émission. Et je salue tous les Congolais, je salue tous ceux qui se battent pour cette liberté. Nous restons debout et nous restons unis pour ce combat. Et je suis convaincu que c'est un combat que nous transmettrons à d'autres générations si nous n'arrivons pas, nous, à découvrir la terre promise. Peut-être que d'autres viendront. Et alors, c'est ça le plus important. Je voulais juste terminer pour dire que, comme sur Brazza Paris Info, Aristide Mauvais-Bessy nous a tous mis d'accord. À bientôt, chers internautes. Merci, merci, merci. Sipio, yo te voy a Congo, yo te la mano a yo.